Nous vivons dans un monde où il est difficile de comprendre ce qui se joue vraiment. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, beaucoup de choses encore à découvrir. Et nous n'en sommes pas encore à bout de tout ça. Demain matin, quand tu vas te réveiller, il faudra que tu apprennes encore pour pouvoir apprendre encore plus et encore mieux. Mais en fait, tu ne finiras jamais d'apprendre, puisque tous les jours amènent son lot de nouvelles choses à comprendre, à connaître, à acquérir. De cette vie que l'on a, toi et moi, cette vie complexe, tout cet enchevêtrement de pensées, de contradictions, d'idées, d'idéal, de peur, d'angoisse, tout ça forme ce que nous avons acquis. C'est une conscience. Cette conscience, elle n'est pas la tienne, elle est la nôtre, elle est celle qui appartient à la race humaine. Nous avons hérité de cela avec toutes les autres personnes, toute la lignée de la race humaine qui était avant nous, parce qu'on se l'est refourgué. Et de génération en génération, nous avons beaucoup plus d'acquis. Nous avons les acquis de millions d'années derrière nous. Et avec tout ça, on réagit, chacun d'entre nous, aux événements qui arrivent. Voilà un fait. Ce n'est pas une belle histoire que je te raconte, c'est un fait. C'est quelque chose que tu peux comprendre, que même un enfant peut comprendre. Nous sommes le résultat de toute l'histoire derrière nous. Donc ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui déambulent. Et avec toutes ces mémoires que tu as acquises, tu t'es identifié avec ça, tu te dis ça c'est moi. Donc il y a toute la mémoire qui déambule, on en a fait une image, on en a fait un idéal, on en a fait un concept. Et ce concept est identifié comme si c'était quelque chose à garder, à mettre en place. Et ce que nous faisons tous, chacun d'entre nous, c'est que nous sommes devenus cette entité qui gardons les choses comme elles devraient être. On appelle ça « moi ». Et tout ce que « moi » veut, on fait exister cette réalité que l'on a acquise dans un monde qui ressemble à notre société aujourd'hui. Donc ce que tu vois à l'extérieur de ta peau, c'est le reflet de l'humanité, le reflet de chacun d'entre nous, le reflet de ce que l'homme veut. L'homme veut pour l'homme quelque chose et il le fabrique. Et en fait, on se retrouve avec une société complexe, avec des intérêts, avec une envie de vouloir exister à travers cela. Donc, on se donne des rôles, on se donne musicien, fabricant de chaussures, maire de la ville, président, homme, femme, mari, enfant, tous ces rôles, on se les donne pour pouvoir faire marcher cette chose, pour pouvoir continuer à faire exister cela. Mais cela qui existe ne sont que les répétitions de chaque mémoire que nous avons vécue.
au-delà de tout ça, il y a autre chose, il me semble. Il faudrait peut-être réfléchir ensemble pour savoir si au-delà de toutes nos pensées, il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui ne provient pas d'une mémoire. Parce que la pensée, elle provient de toutes les mémoires qu'on a acquises. Et on les réitère, on les répète. Ça devient mécanique, ça devient monotone, répétitif. Notre société, elle ressemble à ça. La relation que nous avons aujourd'hui, elle est mécanique, elle se répète et elle cherche toujours à se conforter dans ce qu'on a appris. Donc, chacun d'entre nous, on est dans cette mouvance de vouloir faire exister une certaine notoriété, un confort, une certaine stature qu'on a voulu faire exister, c'est-à-dire le rôle, tout ce qu'on joue. On va faire exister ce rôle pour pouvoir perpétuer justement toute cette mémoire qui est la nôtre. Mais toutes ces pensées, toutes ces choses que nous faisons, que nous avons, elles créent ce monde. Ce monde est une réalité que tu peux voir aussi. Mais cette réalité, elle est issue de ce que tu as déjà vécu, ce que tu as déjà acquis. Donc tu répètes, et ce que tu as, c'est ce que tu as répété. Le désir que tu as de faire exister ça, eh ben, c'est une volonté que tu veux mettre en place pour pouvoir jouir de ce que tu sais qui est bon pour toi. Donc on perpétue le monde de cette manière. Le monde ressemble à nos désirs, à nos envies, à nos peurs de manquer, à nos plaisirs et à nos peurs de ne pas avoir du plaisir. Donc on fait tout pour que tout reste comme on aimerait. Parce que c'est la structure dans laquelle tu t'es identifié. Tu t'es identifié dans cette mémoire qui progresse, qui sort du passé, qui vient dans le présent et que tu concoctes, et dans l'espoir, tu espères mieux. Donc, tout ce, c'est un mouvement dans le temps. Ce temps, c'est aussi toutes les pensées, tout ce qui a été, toutes les mémoires. Et donc, on les ramène du passé, on les concocte dans le présent et on a ce qu'on a aujourd'hui. Si tout ça se perpétue, tout ce que tu auras demain sera la même chose que ce que tu as aujourd'hui. Si tu as peur aujourd'hui, ben demain ce que tu auras c'est le résultat de tout ce que tu as eu peur. Si tu as l'espoir que demain sera mieux, alors demain tu auras encore l'espoir. Parce que l'espoir, c'est quelque chose que tu emmènes dans la projection de ce que tu aimerais avoir. Mais il y a quelque chose au-delà de tout ça. Et c'est peut-être là que nous sommes tétanisés, parce que nous nous sommes identifiés à tout ça. Et au-delà de tout ça, il y a un autre mouvement qui ne ressemble pas à la mémoire, qui n'a rien à voir avec ce qui a été appris, ce qui veut être gardé, et celui qui s'est substitué à le garder, c'est-à-dire moi qui veux mon confort, ma zone de confort, qui veut exister ainsi. Tant qu'il y a cette activité, tu ne peux pas voir ce qu'il y a au-delà de tout ça. Donc, il faut abandonner déjà ça. Il faut que tu sois libre de toute cette activité égocentrique qui veut faire exister tout
pour que tu puisses être bien, pour que tu puisses avoir cette zone de confort. C'est-à-dire, et c'est le passé que tu répètes, et ça devient l'habitude et les train-train, et on a peur de sortir de ça. Mais si tu peux comprendre que tout ça est faux, il n'y a rien de vrai là-dedans. Parce que le passé a existé et ne peut plus exister demain. Et c'est ça que tu veux faire exister demain. C'est ça que tu emmènes avec toi. Et ça s'améliore, et toujours, nous en avons toujours besoin de plus pour en trouver une satisfaction. En plus, ce sont des satisfactions immédiates, et on n'est jamais satisfait complètement. Donc, tout ça doit être abandonné. Mais comme tu es attaché à ça devient une souffrance de laisser ces choses tomber, de laisser toutes ces histoires que tu as acquises et que tu voudrais faire naître. Donc, ça demande une liberté pour pouvoir voir, percevoir avec l'œil de celui qui n'est pas cette mémoire, de celui qui a abandonné la mémoire, la répétition, les désirs, les envies, l'attachement à tout ça. C'est quand il y a la fin de cet attachement que se produit justement une vision qui n'est plus éphémère, qui est quelque chose qui est au-delà de toute mémoire, de toute connaissance acquise. Elle vient d'instant en instant. Et cet instant dans lequel tu te trouves, elle est neuve. Elle ne peut pas contenir en elle des existences d'avant. Parce que la vie en elle-même, ce que tu émanes de toi, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Et si tu gardes ça, tu gardes ça, alors tu feras encore de la mémoire et demain, ben, tu vas le réitérer, le concept de ce que tu as appris. Donc l'esprit doit être libre, libre de toute mémoire pour pouvoir voir au-delà de ce qui est limité. Parce que tout ce que tu as acquis, c'est limité. Il y a une limite dans tout ce que tu sais, parce que c'est des choses que tu as apprises. Et ce que tu apprends, c'est de l'histoire. C'est déjà passé. Et tu le gardes en mémoire. Donc tout ça est limité. L'action que tu auras à partir de toutes ces informations sera limitée. Elle ne va pas pouvoir accomplir quelque chose de parfait. Ce que tu es est justement au-delà d'une mémoire. C'est-à-dire la vie qui émane d'instant en instant, l'expression sincère qui sort de ton fort intérieur, cela est neuf. Mais il y a cette mémoire, ce moi qui vient interférer la projection de ce qui est inné. La manifestation de ce qui est inné. Parce que moi voudrais faire en sorte que hier existe encore. Il est attaché au temps, au succès, à la réussite. Sortir de cette réussite, cet conditionnement qu'il faut faire perdurer ce que tu aimes
pour exister, c'est l'existence de celui qui veut être à travers le rôle qu'il joue. Mais ce que tu es, en réalité, n'a pas de rôle. Ce que tu es, c'est quelque chose d'instantané, qui ne joue pas le rôle, qui ne joue pas l'apparence, qui ne joue pas la... qui se répète pas. C'est quelque chose d'instantané qui est là. Tout un chacun, nous sommes cela. Nous sommes cette grande intelligence qui se meut d'instant en instant. Elle utilise toute la connaissance que tu as pour justement fonctionner avec intelligence. C'est pour ça que, avec ton regard intellectuel de tout ce que tu as appris, tout va continuer de la même manière, parce que tu le répètes. Donc si tu veux être libre et créer un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est ça, c'est justement ton passé. Tu es le passé. Et avec ce passé, on est celui qui regarde la vie. Celui qui regarde la vie, c'est le passé. Et le passé qui voit la vie dans la perception dans laquelle il est, ben, elle répète le passé, parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Alors comment transcender ça? Comment sortir de ce but, de cette mouvance que l'on a chacun d'entre nous, d'être neuf, de laisser derrière nous l'envie de devenir? Cette ambition que l'on a, ce monde idéal que l'on rêve, le devenir, devenir, il faut faire pour devenir, mais être.